Allez, salut tout le monde, c'est LaPixel, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre Let's Play sur Pokémon version jaune. Et donc au dernier épisode, on s'était arrêté devant la grotte dans laquelle on va rentrer dans cet épisode et où on va aller à Azuria pour la prochaine arène qui sera Ondine. Donc, mes Pokémon, je les ai encore fait level up de... J'étais au niveau combien? Je crois que j'étais au niveau 12-14, donc j'ai dû faire level up de 4 niveaux. Donc voilà, ils sont au niveau 18, ça vous évitera encore de voir ce que je fais en level up et en farm et tout. Donc je crois que j'étais déjà allé au centre Poké pour éviter de vous montrer ça. Donc on va tout de suite se rentrer dedans, dans la grotte, et on va tout de suite s'y atteler. Donc... une dresseuse. Alors, je pense pas aller à gauche. Enfin, à droite, je vais aller à gauche. Alors, de quoi j'attends mes potes ici? Ok, bon. Attends tes potes. Très bien. Bon, ça va. Mélophée. Ah. Alors, Mélophée, je sais pas si ça fait partie d'une évolution de... comment ça s'appelle? De Rondoudou. Donc, je sais pas. Alors, je vais lui faire point karat. Ça va bien lui faire mal. Quand même niveau 14. Berceuse, aucun effet, bon. Tac. Ok. Bon, bah, très simple. Alors, il se peut qu'il y ait des racailloux et des onyx. Enfin, je pense plutôt des racailloux, puisqu'il y en a souvent dans les grottes. Et c'est assez chiant. Donc, voilà. Ou des Nosferati, voilà, des Nosferati qui sont arrivés. Qui viennent souvent dans les grottes, enfin ce qui est assez logique puisque Racaillou c'est des cailloux et les Nosferati c'est des chauves-souris, enfin dans la vraie vie quoi. Alors je vais voir ce qu'il y a parce que normalement je crois bien qu'il y a une Pokéball. Bah oui, il y a une Pokéball juste à côté, on va aller la prendre. Alors dans les grottes on trouve de la racaille, t'en es? Oui, de la racaille et des racailloux. Et toi aussi t'en es une, je crois, racaille. Je sais pas, on verra bien. Donc oui, non, c'est un Scoot. Donc Scoot veut se battre, très bien. Alors il fait appel à Abstico. Niveau 11, bon. Nous, au niveau 18, je pense qu'on va défoncer Ondine. Hein. Je ne sais pas vous, mais on va défoncer Ondine, à mon avis. Une seule traite. Alors, là, on va faire la grotte avant de se dire, ouais, on va gagner et tout. Enfin, voilà quoi. On n'y est pas encore chez Ondine. Alors, non, j'ai pas envie de changer de Pokémon. Faire au singe, il est très bien. Ah non, non, non. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je prenne Pikachu. Parce que Pikachu, contre les... Pokémon de type O, il les défonce. Donc je vais prendre Pikachu. Alors Pikachu, Horn, on va changer, voilà, en premier. Et là il va la défoncer. Donc là je vais toujours faire fuite parce qu'ils vont me faire chier. Ah, tiens, un Mélophée. Putain. J'en avais jamais vu dans les grottes comme ça là. Impressionnant. Oh putain. Encore quoi. Faudrait que j'achète des repousses. Je sais pas s'il y en a. Oh, j'ai la flemme de retourner au centre commercial, voilà. Enfin, au centre... centre commercial, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle... je sais plus, bon, c'est pas grave. N'en tenez pas compte. Potion, bah très bien. Sachant qu'on a utilisé, je crois, deux fois la potion, mais enfin bon. Ça me va, ça me va. Ah, ça va être chiant, ça. Moi je vous le dis tout de suite, là les Nosferati, voilà, c'est assez chiant. Et en plus c'est au niveau 8, on a gagné 10 level up durant ce temps. Allez. Ah c'est assez chiant, je dois vous l'avouer là. Je pense pas que je vais y survivre. Ça serait bien si on a repousse, mais je pense pas qu'il donne des repousses à ce stade-là du jeu. Enfin bon, on continue, hein. Donc là, il y a un petit passage. Je me demande ce que c'est. Bon, ça va être des passages où... c'est où on peut trouver plein de choses. Enfin, vous allez voir. Et c'est assez particulier. Donc hop, on passe par là. Et... voilà, il y a la Team Rocket. Donc la Team Rocket qui vient du Mont Sélénite et vient nous attaquer. Alors c'est nous les voleurs de Pokémon, ok. Voilà, donc
il a bien, les gens ont bien dit ce qu'il fallait. Enfin, ils avaient raison qu'il y avait des Team Rocket dans la grotte. Donc voilà, ils ont raison. Il y a bel et bien des Team Rocket. Ouais, non, là, ça le fait pas, quoi. Fin de compte, le ferro-singe, quoi, tu vas plutôt venir. Parce que des sablettes, je pense pas que ça... Ça fait du bien. Bon, pour Karat, hein, il va vite se dégager. Parce que la Team Rocket, nous, on les aime pas, on est des gentils, nous, on n'est pas des vilains qui volent des Pokémon, bah... Des salopards. Hop. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent, la Team Rocket, mais... Franchement... Ils sont là, attendent comme des cons, comme des poteaux, pour voler des Pokémon, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour voler un Pokémon, quoi? Sérieux, ils se prétendent de voler des Pokémon, mais ils en volent même pas un. À moins que leurs Pokémon sont volés, mais bon. Des Radata et tout, je sais pas ce qu'ils en font, quoi. Tellement qu'ils sont nuls, niveau 11. Ils peuvent faire beaucoup mieux, quand même. Allez. Lui, alors cette attaque me prend de la vie et ça lui donne l'œil. Mais enfin bon, c'est pas très efficace sur Féro Singe, donc ça va. Alors balayage. Oh mais t'es sérieux? Oh, on va devenir fou, putain. J'aime pas ça. Mais vraiment pas ça. Après on peut même s'attaquer sur nous, alors. Non mais c'est pas vrai. J'ai horreur de ça. Deviens dingue. À chaque fois quand je suis devenu dingue, je prie toujours pour pas me frapper dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va changer de poké, ça m'énerve. Allez, viens là Pikachu. Et tu vas lui faire une putain d'attaque. Oh non, évidemment faut qu'il fasse un ultrason quoi. Putain. Ah tu vois, sa folie, le machin. Il est débile ou quoi? Il veut me faire deux fois la même attaque. Sachant que... Je suis paralysé qu'une fois. Mais arrête! Ah, je sens mieux, encore heureux. Là. Saloperie. Bon, les points d'XP sont multipliés. Enfin, sont divisés en deux. Putain, je vais encore tousser, c'est pas possible. PV plus. Putain, ça donne plus de PV. Ah, encore, on tombe encore sur des. Sur des Pokémon, j'aime pas ça. Alors, je sais pas si dans cet épisode, je vais faire la prochaine arène, puisque ça va être un peu short. Parce que la grotte, je vais la faire à 100%. Enfin, d'ailleurs, le Let's Play, je sais pas si je vais le faire à 100%. Enfin, on peut pas dire vraiment que c'est à 100%, puisque... sachant qu'il faut juste terminer la ligue. Et puis après... voilà, quand on a terminé le jeu, on peut pas faire... Plus de 100%, 100% ça serait de capturer tous les Pokémon, c'est-à-dire les 120 Pokémon qu'il y a dans cette version, plus les hacks, enfin les hacks, les actions avec les action replay avec Mew et Mewtwo, enfin ça on n'est pas vraiment obligé de le faire, mais c'est pas considéré comme un 100%, mais bon, ça sera un 101% on va dire, mais bon, alors je ne pense pas vous le faire le 101%, je pense juste vous faire le Let's Play comme il faut, tout simplement. Alors ça commence à m'énerver. Allez. Alors je vais juste lui attaquer. Je vais attaquer tout le monde. Comme ça, ça sera fait. Et voilà, ça sera plutôt cool. Allez. Alors je pense que les Pokémon d'Ondine sont au niveau 20. Si je ne m'abuse. On verra ça. Alors, un Tello. Magnéti. Ah, ça le ferait pas trop avec Pikachu. Parce que c'est un type électrique et les Magnéti sont des types électriques parce que c'est magnétique. Voilà, logique. C'est la logique de Pokémon. C'est normal. Allez, crève. Bon, ça va, eux, ils étaient pas trop difficiles. Ah, niveau 9, 19. Nickel. Sympa. Voltorb, non. Alors, sur ces gars-là, faut toujours prendre Ferro-Singe et non... Pikachu, parce que Pikachu peut faire que vive attaque sur eux et l'électricité ne leur font rien, enfin, ce qui est assez logique. Mes Pokémon sont nuls. Ah bah oui, ils sont nuls quoi. T'as un Intello, mais tes Pokémon sont nuls. C'est pour ça qu'il faut pas être un Intello.
il faut être un jeune garçon, partir à l'aventure de 10 ans et pas étudier pour devenir plus fort. Et oui, parce qu'on est plus fort que les intellos, quoi. C'est assez ouf. Alors, je sais même pas si Sacha est allé à l'école durant son enfance. Enfin, je sais pas. Il a directement. Comme ça, là. Super bonbon. Il a directement comme ça à l'école. Enfin, dans le monde de Pokémon, direct, voilà. Bon, super bonbon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est. Pour faire level up un Pokémon, donc je vais faire level up Pikachu. Voilà, ça fait monter d'un niveau Pikachu. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et je l'ai fait tout simplement parce que. C'est cool. Alors je traverse ces grottes pour aller à Azuria. Bah moi aussi t'inquiète. Sauf que t'es toujours là planté. Je me demande pourquoi. Alors, 3 Pokémon. Bon. Toi toujours les mêmes Pokémon puisque c'est des scouts. Niveau 10. Vive attaque. Oh oui, j'ai fait une vive attaque, mais bon voilà. Juste pour le vlog, pour le fun. D'ailleurs, on va juste prendre une petite potion pour éviter de se faire défoncer la gueule. Faut pas déconner quand même. Et sachant que si on meurt, eh bien, on revient au centre Pokémon le plus proche, c'est-à-dire le centre Pokémon avant la grotte. Donc c'est pas cool, on doit tous retaper la grotte et ça c'est chiant. Voilà. Oula, il y a des petits lags comme ça, là, j'ai pas trop compris. Mais c'est pas grave. On continue. Armure, bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Tac. Chenipan, la vite dead. Alors, j'étais en train de penser à un truc, c'était peut-être vous faire Pokémon version jaune sans mourir, c'est-à-dire sans être mort une seule fois. Alors, je pense pas que ça pourrait être possible, mais on va le tenter. J'ai envie de le tenter de faire ça. Et ça serait vraiment cool de faire ça. Ça serait vraiment génial. Donc je pense peut-être vous faire ça. Faire sans mourir. Sans perdre de l'argent et revenir au centre Poké. Je pense vous faire ça. Dites-moi dans les commentaires si vous le voulez ou non que je le fasse. Je suppose que vous aimeriez bien que je le fasse. Donc je vais le faire. Et ça sera plutôt fun. Et on va voir si je vais tenir. J'ai peut-être oublié des choses. Piou, c'est grand ici. Ah oui, c'est très grand, ouais. Effectivement. Puisque j'ai peut-être oublié des choses. Fabel Mister Pokémon Plante. Mon Pokémon Plante va mourir avec l'électricité. Ah merde, non, en fait. En fin de compte, non. Je crois que c'est avec le feu, mais on n'a pas de feu encore. Allez, dégage. Volvi. Bon, je veux bien XP Pikachu là parce que Pikachu, ça sera bien pour Ondine. Donc on XP Pikachu même si il a très peu d'attaques normales. Chitiflore, Pokémon que j'aime pas trop et qui level up en je sais plus trop quoi. De toute façon, si vous connaissez Pokémon, James en a un et c'est l'évolution de Chitiflore. Et je sais plus comment ça s'appelle. Alors dites-moi dans les commentaires comment il s'appelle. Pour où je vous ferai peut-être des recherches, hein, au cas où. Vive attaque. Hop là, ça c'est fait. Niveau 20. Enfin, niveau 20. Gagner l'XP. Ah, j'ai perdu. Ouais, trop tard. Ah. De toute façon, je m'habitue à ça. Fais ça, tac, 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 fuite, et puis c'est bon, on se casse. Enfin bon. Heureusement que c'est assez rapide, parce que sinon... On n'en sortirait pas. Alors, est-ce que là, on y est déjà allé? On va voir. Parce que j'ai dû peut-être faire... une connerie, là. Ah, si ça continue comme ça, ça va m'énerver. Ah merde, je crois que si, en fait, on est déjà allé. Donc, non. Ah! Ça va m'énerver ça, sérieusement. Alors, si ça vous énerve dans les commentaires, tapez 1. Et si ça vous énerve pas, tapez 2. Voilà. Non, c'est assez con ce que je dis là, mais bon. Ouais, non, c'est bon. En fait, on était déjà passé.
Heureusement que je suis revenu. Je viens juste de m'en rappeler. On va juste passer par là, après on passera par, par le truc. T'es aussi venu pour explorer ? Oui ! Oui, très cher, je suis venu pour explorer. Explorer les Pokémon, petit gamin. Gamin veut se battre. Avec la casquette à l'envers. Casquette à l'envers, pardon. Alors, vive attaque. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire vive attaque. Je fais vive attaque, puis voilà. Par contre, là, ça va être un peu chaud, je vais éviter de me faire défoncer. De toute façon, si on a un Pokémon qui meurt, c'est pas grave, on a toujours l'autre qui est à la rescousse. Par contre, si les deux meurent, eh bien on meurt complètement. Donc c'est pas cool du tout ça. Allez, Rattata, tu crèves. Allez, alors faut savoir aussi qu'on a aussi des points de pouvoir. Les points de pouvoir, c'est ce que vous voyez, 23 sur 30. Là j'en ai 23, là j'en ai 22, et là j'en ai 20, et là j'en ai 40. Donc, les points de pouvoir, c'est très important parce que si vous en avez plus, eh bien vous pouvez plus attaquer, ça c'est très chiant. Donc je pense pas qu'on va tous les utiliser dans cette grotte, mais enfin, faut toujours regarder. Alors je vais plutôt aller par là, parce qu'on va battre toute la Team Rocket quand même, ça serait plutôt pas mal. Hop, là, j'en étais sûr. Vous voyez ce rocher là, il m'a l'air très suspect, donc on va aller le voir juste après. Ça bosse dur ici, alors du balai, le mouflet. Le mouflet. Comment il m'appelle le mouflet, quoi? Mouflet, ça me fait penser à un chat, tout simplement. C'est assez bizarre. Éclair. Nickel. Très efficace. Et niveau 20. Ah. Ça, c'est cool. Souplesse. Alors, souplesse, si je m'abuse, je crois que c'est une attaque. Ouais, donc on va oublier rugissement, ça sert à rien. Parfois j'ai fait le con, hein, quand il faut changer d'attaque, j'ai changé une attaque d'attaque qui était super cool, donc j'ai fait le con et du coup c'était assez chiant. Donc voilà, voilà. Alors, souplesse, je pense que c'est, voilà c'est ça. Donc c'est plutôt cool, souplesse. Ah, trop tard. Il va vite crever lui. La grotte n'est pas vraiment grande, hein. Je crois que je vais la faire avant pas longtemps, enfin bon. Hop, et là, on trouve de l'huile dans ces trucs, donc faut bien regarder, faut bien chercher. Même si on trouve que c'est bizarre, un rocher comme ça, faut quand même le voir, puisqu'il y a un objet qui se cache. Alors, tac, on descend, lui je t'ai battu. Et je crois qu'on s'approche de la fin de la grotte, si je ne m'abuse. Parce qu'il y a des grottes bien grandes, mais là je crois qu'elle était pas trop grande. Peut-être que je me trompe. C'est à voir. Moi je vous dis, les Pokémon dans les hautes herbes, je les fais que XP en off. Et non comme ça, parce que ça évite bien les choses. Et là, si je ne m'abuse, il y a un montagnard. Juste devant nous. Et voilà. Donc, on va pas aller le voir. On va prendre la Pokéball. Pierre Lune. Alors, Pierre Lune, je pense que ça sert à faire évoluer les Mélophées. En je sais plus quoi. Je pense que ça sert à ça. Yaha, tu m'as fait peur. Quoi? Mais t'es qu'un mioche. Oui. Enfin, un mioche de 10 ans quand même. Hein. Et qui combat les Pokémon. Attention, hein. Et ton racaillou, je vais te... Ah ben non, je vais pas te le défoncer, puisque... Ah si, je vais te le défoncer, je vais le faire souplesse. Ah ouais, non, en fait... Même si c'est un type électricité, sur les attaques normales, ça le fait pas trop. Donc, vaut mieux attaquer avec Férosinge, à ce moment-là. Allez, griffe. Bon, griffe, attaque simple, mais bon. Quoi? Ah non, ah non. Alors là... Je pense pas du tout que ça va être... Attends. Balayage, je crois que ça lui fait bien mal, ça, balayage. Voilà. C'est avec ça que j'ai gagné. Que je l'ai gagné, Pierre. Racaillou. Balayage. Encore une fois, balayage, c'est l'attaque suprême de Férosinge contre les Pokémon caillou.
enfin pierre. Alors franchement ça fait beaucoup de pierre, hein, ce que je dis, pierre. Pierre, feuille, papier, ciseaux, Shifumi. C'est un peu dans ce même style, je trouve, hein, Pokémon. C'est un peu un Shifumi. Sauf que... on sait pas ce qu'il va faire et... voilà. Bon, c'est un peu comme un Shifumi, en gros. Je vais un peu regarder en haut, peut-être qu'il y a une Pokéball, une deuxième Pokéball, on sait jamais. Parce que ça fait assez longtemps que j'y ai pas joué à ce Pokémon. Bon, ça fait pas très longtemps, ça fait un an ou deux, mais bon. Allez. Les Nosferati, voilà quoi. Je trouve que la patte graphique est vraiment bien faite. Et ce côté 2D de Pokémon est vraiment classe. Et c'est un autre univers que je kiffe bien. Allez. Alors je sais pas si. Peut-être que je vais vous faire un épisode plus long. Je sais que vous aimez bien les épisodes longs, donc pourquoi pas. Enfin, long. Long de 35 minutes, non. On le rate quand même, il y a peut-être des Pokéballs, hein, on sait jamais. Alors, encore une Team Rocket. Ils sont toujours là. Les gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. Oh, attention, hein. Attention, les grands. Là, les grands, ils veulent se battre, hein. Enfin, les grands, non, ils sont débiles. Hein. Ils m'ont jamais battu, quoi. Enfin, bon. C'est les grands d'AD, comme on me dit souvent. Allez, Ratata, oust, du balai. Non. Même si on meurt, c'est pas trop grave. J'ai envie de vous dire. Il y aura un centre Pokémon. Ah, voilà, centre Pokémon. Non, c'est pas ça. Je dis centre Pokémon, mais j'étais en train de penser au... à la boutique Pokémon, voilà. C'était ce mot-là, la boutique Pokémon. Où on pouvait acheter des repousses avec des parasses. Je m'en souviens que j'en avais un et je galérais quand j'étais petit à tuer les Pokémon dans cette version. C'était assez chaud. Enfin aussi j'avais pas vraiment la tête à réfléchir sur quel Pokémon prendre et tout, quelle attaque prendre, même si il y a quand même des conseils des gars avec les lunettes quand ils sont devant les arènes. Donc. Qui nous donne quand même des conseils, mais bon, je ne savais pas vraiment quel Pokémon choisir. Donc, moi, je prenais tout plein de Pokémon et tout, puis après, je les faisais un peu level up. Par exemple, Pikachu, je les faisais level up au niveau 9 déjà, rien qu'au début, quand j'étais petit, je passais à fond pour le farmer au début, et puis après, j'attaquais l'arène et ça passait crème. Enfin, l'arène Azuria, pas Pierre, parce que Pikachu est assez nul avec. Pokémon. What? Ah non, il est revenu. C'est moi où j'ai loupé un truc, non? Ah non, je pense pas que je. Je sais pas, j'ai peut-être dû louper des trucs. Alors parfois, les Pokémon là, ils arrivent comme ça. Et puis, ils nous attaquent, comme ça, sans raison. On ne sait pas pourquoi. Bah, c'est assez. What the fuck? Alors, oui, à chaque fois, je parle, mais. Lui il me parle aussi, donc je vais dire la phrase. Alors, hé, toi là, ces fossiles sont à moi. Pas touche. Oh, le mec il m'agresse, c'est bon, là, je passe devant lui, il croit que je vais les prendre. Aussi, en même temps, il y a deux trucs qui nous bloquent, quoi. Je veux sortir de la grotte. Putain, c'est pas toi qui va me bloquer, sérieusement. Alors, éclair. Gros tas de morphes, ça c'est bien moche. Après, il y a gros tas de morphes en évolution, je crois. Et c'est vraiment dégueulasse, hein. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui aiment ces Pokémon là, bah. C'est vraiment horrible, dégueulasse. Est-ce que là si je fais souplesse... What? Pourquoi mon attaque est annulée? Elle a dû faire une attaque qui annule mon truc. Oula, attention. On va juste prendre feu au singe. Et je crois que mes potions sont... Il y en a plus qu'une, je crois. Donc on va faire gaffe. Allez. Smogogo qui est encore un Pokémon de la Team Rocket.
points caractère, on va voir ce que ça donne. Ok, ça donne plutôt pas mal. Donc c'est James qui a Smogogo. Et qui après évolue en... Bon, en Smogogo, je crois. Là, c'est Smogo et puis après Smogogo. J'étais trompé. Allez, dégage. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Niveau 20, bah nickel. Bon, on est du niveau 20 déjà, c'est plutôt pas mal. Bon, ok, on partage. Ok, donc quel fossile je vais prendre? Tu veux le fossile Nautile? Alors, sachant qu'il y a des... Bon, j'ai pris le dôme. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Parce qu'il y a des, fossiles qui vont... qui sont des Pokémon, donc... qui peuvent évoluer. Ok, je prends celui-ci. Alors... Loin d'ici, sur la... Croisille, se trouve un labo Pokémon. On essaie d'y régénérer des fossiles de Pokémon. Ah ouais? Bah, je vais, j'irai voir. Alors là, je pense que c'est la fin de... de la grotte. Mais vous allez voir que... évidemment, on va se faire prendre en flag par... Hop là, on ne bouge plus! La Team Rocket en personne avec JC et James. La petite particularité de cette version où il y a James et JC. Alors, ce fossile est à la Team Rocket. Rends-moi ou mange ta baffe. Voilà, ils viennent nous s'attaquer. Alors, vous allez voir leur Pokémon, je sais plus ce que c'était. Ils y sont aussi dans Pokémon bleu et rouge, mais là, c'est un peu plus fidèle au dessin animé. Alors, bon, juste avant ça, on va juste prendre une petite potion, la dernière, mais enfin bon, on en aura d'autres plus tard. Gros yeux, allez, ça échoue, nickel ça, éclair. Bon, comme je suis pas un sadique, je pense vous faire la reine. Donc voilà, Miaouz, bon, si tu veux, Miaouz qui est un peu la mascotte de la Team Rocket. Et ouais, il est assez drôle dans le dessin de lui. Allez, dégage. Oh, ouais, avec leur rugissement là, peut-être que ça m'envoie des... ça m'enlève des points de forme, mais bon, c'est franchement rien du tout quoi. Ah, niveau 21. Là, on est prêt pour attaquer Ondine, j'ai envie de vous dire. Même si elle est quand même assez forte, Ondine. Je veux pas dire, mais elle est assez forte. Allez, éclair. Charge. Bon, quoi, si tu veux. Là, on va pas le tuer encore. Non. Ah ouais, on l'a pas encore tué. Ah, paralysé. Ça, c'est cool. Ça, j'aime pas du tout parce que ça m'empoisonne, je crois. Ah non, c'est bon. Smogogo, c'est pas un Smogo, m'empoisonne. Enfin, ils peuvent empoisonner, donc c'est pas cool du tout. Comme les chenipans et les asticots d'ailleurs. Ce mioche a gagné. Ouais. La Team Rocket à la vitesse de la lumière. Ah d'accord, ils disent pas la vitesse de la lumière et l'au-delà. Non, ils disent pas. Dommage. Ça aurait été marrant. Allez. Un paras. J'aime pas les paras. C'est laid. Allez, on va sortir de la grotte. Ah, enfin. Route 4, Mont Sélénite, Azuria. Nickel. On va éviter de prendre la corniche, là. J'en ai un peu partout. Ça se trouve, on a des choses, là. Alors, là, on ne sait pas pourquoi il y a un truc, là, mais... voilà, il n'y a personne. Pourquoi, on ne sait pas, c'est assez what the fuck. Alors... j'en ai un peu partout, on sait jamais. Hein. Comme je le dis... toujours regarder un peu partout. Personne. Passer par là. T'as une Pokéball. Nickel. Ok. Je pense pas qu'on peut, on puisse y aller là. Non, non, non. On peut. On, je pensais qu'on pourrait y aller, mais non. Enfin, le contenant. On s'est fait baiser, entre guillemets. Ah, bon, faut passer par la corniche de, du haut, quoi. C'est fait exprès ou quoi? Et là, c'est ici qu'on pourra XP. Donc ça, ça sera cool. Mais avant ça, on va aller au centre Poké. Et après, on va s'attaquer à l'arène dans cet épisode. Parce que j'ai envie de vous le faire.
Donc vous voyez là c'est Azuria avec cette belle couleur bleue qui arrache un peu l'œil, mais bon ça va, c'est cool parce que c'est la couleur d'Azuria, l'eau. Donc ça c'est sympa. Et puis ça donne des couleurs et ça donne plus vivant au Pokémon. Et à la version d'ailleurs. Là. Pikachu est en premier, c'est nickel. Je pense qu'on va l'attaquer. Alors dans cette ville, on pourra faire plein de choses à mon avis. Vous allez voir. Et ça va être assez sympa. Mais ça vous le verrez dans le prochain épisode. T'es un dresseur capturé. Capturé, collectionné, c'est filtré. Dur, hein. Bah ouais. Un peu dur quoi. Toi, je vais pas te parler parce que je sais où je vais m'attaquer. Bon, toi, voilà, on va t'attaquer d'abord. Je suis prêt, mais ce baston. Ok. Ah ouais, là, mec, ça va chier, plongeur. Même si j'aime pas trop les plongeurs, mais... Niveau 21, je pense qu'on peut finir Ondine très facilement. Allez, oula, fait un peu mal. Oh, ça va, tu me diras. Faudrait que je fasse ma technique, là, pour Ondine. La technique serait de faire cage éclair, comme ça, elle reste bloquée, elle est paralysée, et comme ça, je pourrais l'attaquer plein de fois, parce qu'on peut attaquer deux fois qu'on paralyse, et ça, c'est sympa, et comme ça, elle rate son attaque, et ça, c'est cool. 21, nageur, ok. Glah, c'est dingue. Alors, je crois que j'ai bien calculé mon coup quand j'ai XP mes Pokémon au niveau 18. Comme ça, c'est cool. Ondine t'attendra. Alors, tu es assez balèze. Alors oui, parfois, je lis pas les textes. Enfin, j'oublie de les lire, mais enfin bon. Alors, toi, Poissirène. Bon, niveau 19. Ah ouais, quand même, ça, non, c'est vrai. Niveau 19, j'ai rien dit. Là pour le coup. Bon, ça va, si tu me fais Mimikyu, ça me va. C'est pas trop compliqué. Donc normalement, Ondine avait ce Pokémon là dans la saison 1 de Pokémon. Enfin, avait Poissirène. Et Carapuce, je sais plus. Oh, je me suis fait écraser. Voilà, je gagne encore des Poké, c'est cool. Alors, Ondine. Hé, t'es nouveau toi? C'est quoi ta stratégie à toi? C'est quoi ta technique? Moi, je suis pour l'attaque à fond, avec des Pokémon aquatiques. Ondine, mon petit chéri, est là. Plus belle et la plus forte de toute la région. Alors, t'es prêt, mon petit bouchon? Ouais. Mon petit bouchon. Alors, ma petite bouchonne, t'es prête? Je pense que oui. Enfin, pas trop, parce que tu vas mourir, mais bon. Elle a peut-être que deux Pokémon, mais ils sont assez forts. Staryon niveau 18, ça me va. Pas trop compliqué. Vous allez voir qu'on va la terrasser en moins de 2. Même si elle nous fait pistolet à l'eau, ça nous fait pratiquement rien. Vous allez voir qu'on va tout de suite la déchirer. Voilà. Staros. Bon, Staros c'est assez fort quand même. Il va être au niveau 23, 24, 21. Ouais, ça va. Je serais tenté de faire cage éclair comme ça. On pourrait faire une petite stratégie, mais je pense pas que ça serait utile. Donc, plutôt faire ça. Bon, surtout si tu fais toujours de la défense, c'est assez cool et comme ça je peux gagner plus facilement. Ça, c'est cool. Bah là, parce que normalement, si t'es au niveau 18-19 et. Ils te font. Enfin, ils te font surtout une attaque pistolet à eau tout le temps et tu meurs. Donc, voilà. Et là, on a battu la deuxième arène! De Ondine. Waouh, t'es super fort, très bien. Je te donne le badge cascade pour m'avoir battu. Là, je gagne 2000 et quelques poké. Le badge cascade oblige tous les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 à t'obéir. Les échanger aussi. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS coupe. Eh oui, la CS coupe, c'est eh bien couper les arbres auxquels on pourra passer plus tard dans l'aventure. Par exemple, à Jadiel où on pourra passer pour un petit raccourci. Tu peux couper les arbustes et ouvrir de nouveaux chemins. Tu gagnes aussi ma CT favorite. Là, il te reçoit la CT 11. Ah, je doute parce que je suis un peu... Je parle trop, je trouve. Ok, Bulldo, après on a un Pokémon eau. Bon, ça, on verra ça plus tard.
Donc je pense qu'on va se laisser ici pour ce... pour ce troisième épisode de Pokémon Jaune, en espérant qu'il vous aura plu. Donc s'il vous a plu, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, et à commenter la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Donc je vais vous dire à très bientôt pour l'épisode 4 de Pokémon, dans lequel on va continuer plus haut dans Azuria, et on va aller peut-être pas encore à la prochaine arène, mais on va continuer avec une aventure plus loufoque que dans les derniers épisodes. Enfin, vous allez voir, ça va être un peu plus mouvementé que dans les derniers épisodes, et ça va être plus sympa, parce qu'il y aura plus de choses à faire. Donc voilà, comme dans tous les épisodes, je vais XP mes Pokémon vers 25-26 levels, comme ça, voilà, ça vous évitera de vous taper les XP, les farms que je fais. Voilà, donc ce sera tout pour cet épisode 3 de Pokémon, et je vous dis à très bientôt, et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4 de Pokémon version jaune. Allez, ciao et à très bientôt, c'était Hypixel. Bye.